Donc, on m'a demandé de faire un petit peu un résumé de ce que j'ai apporté avec moi, ce qui m'a servi, ce qui m'a pas servi. Donc, on va commencer déjà par le vélo avec comment je suis équipé, parce qu'après deux voyages, la descente de Paris chez moi à Nîmes, entre Nîmes et Arles, j'habite entre Nîmes et Arles, et la remontée de toutes les côtes jusqu'à Dunkerque, j'ai acquis une certaine expérience, si je puis dire, parce que je trouve que j'étais pas trop mal organisé pour le deuxième tour. Donc je vais vous montrer tout ça, ça va peut-être vous servir, en tout cas pour tous les véloteux et tous ceux qui ne le sont pas encore. J'ai donné des idées à certains qui veulent partir en vélo, donc c'est parfait, c'était le but aussi de ce tour. Donc on va passer d'abord en revue le vélo et comment je suis organisé autour du vélo. Et ensuite, on passera en revue tout ce qui est technique, le matériel du vélo, le matériel du couchage, et puis mes affaires, comment je me suis organisé pour gagner le plus de place possible, même si malheureusement j'ai eu pas mal de kilos, un peu superflu à vrai dire. Donc on va pas parler de ce que je n'aurais pas dû amener, mais ce que j'ai amené et qui m'a vraiment servi. Alors on m'a demandé aussi combien pesait mon vélo. Ben, j'ai pesé. J'ai pesé avec tout le matériel, etc., avec à peu près 3 litres d'eau, comme je transportais en général avec moi. Le vélo pesait, avec tout le matos, pesait à peu près 40 kilos. Comme j'en pèse 75, 76, eh bien, le tout pesait 135 kilos, en moyenne. Hein. On va dire à 1 ou 2 kilos près. Alors pour cette balade, pour la dernière balade en tout cas, il faut savoir que j'ai fait 2835 km exactement. On va dire peut-être un peu plus, que de temps en temps j'oubliais de, quand je redémarrais, j'oubliais de mettre en route ma montre. On va rajouter peut-être une trentaine de kilomètres, mais bon. J'ai grimpé en dénivelé, je regarde, 13 835 mètres. C'est pas mal, hein, ça fait une fois et demie l'Everest. J'ai pédalé 248 heures. Pendant 35 jours, avec une moyenne à peu près de 80 km par jour. Et, détail amusant, si l'on peut dire, puisque j'en avais déjà parlé dans une vidéo, j'avais calculé combien de fois j'appuyais sur la pédale de droite pour faire 1 km, avec une vitesse, un réglage de vitesse moyen. Ça me faisait 230 coups de pédale par kilomètre. Si on multiplie par deux, parce que j'ai quand même deux pieds, donc deux coups de pied, ça me fait 460 coups de pédale pour 1 km. Multiplié par 2835 km, ça me fait 1 300 000 coups de pédale. C'est beaucoup. Ouais, je suis même surpris du total. Donc maintenant, je vais vous présenter mon vélo. Alors ça, pour ça, on va aller à l'extérieur, hein, et après, on parlera des choses en détail, comme je l'ai dit. Alors, mon vélo. Mon vélo pour ce périple était équipé. Ainsi, on va commencer par l'avant. Il y avait deux pochettes. Bon, là, elles sont vides, hein, donc on ne peut pas les voir gonfler, mais de toute façon, on ne peut pas les remplir trop parce qu'il y a des ficelles qui bloquent, et tant mieux. Donc, les deux pochettes à l'avant, c'était uniquement pour la nourriture. C'est-à-dire que là, il y avait la nourriture, et là, il y avait le réchaud, la popote, le nécessaire pour cuisiner, et éventuellement les boîtes de conserve, etc. Donc, j'équilibrais la nourriture ici. Ça, c'est pour la tente. Voilà, la tente, très très bien. Là, si je n'en avais pas besoin, je la sortais pas, elle était là. Si dans la journée je voulais la faire sécher, je la sortais. Et dès qu'il y avait un rayon de soleil, je la faisais sécher. Je pouvais la ranger tout de suite, ça durait 20 minutes. Ça, c'est un petit emplacement pour une carte. Le casque indispensable, bien sûr, le casque. Ensuite, j'avais ici le rétroviseur. Très utile, et en plus il a grandi, donc c'était pratique, parce que sinon si c'est juste un miroir, ça n'arrête pas de vibrer. Le compteur qui a jamais marché, et j'ai rencontré Edouard qui venait de l'acheter aussi, pas la même marque, mais le même genre, et qui marchait pas non plus. Mais ça me permettait d'avoir l'heure, il m'a servi qu'à l'heure finalement, il a jamais fonctionné. Mon téléphone, vite fait, ça me permettait de vérifier la route quand j'en avais besoin. Alors ça, c'est le klaxon. Voilà, ça, c'est le klaxon qui fait pas mal de bruit parce que c'est à air comprimé, ça passe ici, ça s'enroule et tout. Et j'ai pas encore nettoyé, mais elle est encore accrochée. Il suffit juste de gonfler cette bouteille avec de la pression. Et ici, voilà, on gonfle ici avec la pompe. Ici. Et on referme. On n'a plus qu'à appuyer. Et croyez-moi, les voitures entendent.
Parce que d'habitude, le gling-gling, les voitures, ça les fait rigoler. Donc on s'amuse aussi avec les gens qui prennent tout le chemin. Bon, c'est assez marrant, j'étais obligé de m'excuser à chaque fois parce que ça faisait quand même beaucoup de bruit. Ici, c'est la pochette où il y avait tout le matériel pour réparer le vélo. Donc je vous montrerai ce que j'avais. J'avais aussi une petite pelle pour les toilettes, la gourde, la béquille, indispensable. La béquille, indispensable, et bien la serrer surtout, indispensable. Les deux sacoches arrière, l'antivol, ici, que je mettais ici, j'ai trouvé ça pratique. Pour le pantalon, au cas où, je le mettais là, c'était pratique aussi. J'ai un antivol pour la selle. Donc là, il faut une clé spéciale. J'ai le même pour l'axe arrière de la roue. Arrière, pardon. Et pour l'axe avant, pareil. J'ai un petit truc bleu aussi qui est là. Voilà, c'est la même clé. Impossible de voler la roue arrière, impossible de voler la roue avant, impossible de voler ma selle. Ou alors, il faut qu'il dévisse ici, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Alors qu'avec les attaches habituelles, il suffit juste de clac-clac desserrer et prendre la selle et partir. J'avais trois tendeurs, deux longs et un peu plus courts, là, pour faire tenir ce sac étanche qui finalement m'a jamais vraiment servi. J'ai mis un petit peu de nourriture, je mettais mon pull dedans au cas où il pleuvait, enfin ma polaire. Bon, ça m'a servi un petit peu, ça m'a servi un petit peu. Ici c'est le câble que j'ai pas utilisé mais qui pourrait éventuellement servir. Et ma selle, forcément, ma selle qui m'a permis de pédaler sans avoir mal. Ma petite selle. Oui, effectivement, parce que la première fois en septembre, j'ai vécu un cauchemar vraiment. Et là, avec cette selle, je ne sais pas, ça dépend aussi des personnes. Hein. Moi, en tout cas, au bout de trois jours, le mal de derrière, c'était pas ma préoccupation principale. Donc, ça a très bien marché. Je la garde. Et j'ai cette petite pochette aussi. Ici à l'avant, qui permet éventuellement, s'il pleut, de ranger mon téléphone à l'intérieur et de voir quand même à l'intérieur. Bon, le problème des pochettes comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de condensation. Et puis à l'intérieur, j'avais mes lunettes, j'avais quelques barres de céréales, j'avais ça aussi. Alors ça c'est super. Je vous montrerai. C'est un antivol moto. Et c'est vachement pratique parce que je l'accrochais n'importe où, au câble de frein ou à un rayon ou quoi. Et si jamais on bouge le vélo, ça fait pip pip, ça sonne. Si jamais on le bouge encore, c'est une alarme. Mais une alarme assez puissante. Ça m'est arrivé à 3h du matin parce que le vélo a bougé avec le vent. Ça a réveillé un petit peu de monde. C'est assez puissant. Il faut la clé pour le. Alors quand vous êtes tout seul, c'est pratique parce que quand on va faire les courses, de mettre ça. Et franchement, on l'entend à l'intérieur du magasin. Et la nuit, moi, ça me permettait de dormir sereinement. Parce qu'avec ça dessus, je pouvais être sûr que si quelqu'un touchait au vélo, ça aurait fait du bruit. Donc ça me permettait vraiment de dormir. Jamais je me suis posé la question le soir en me dire est-ce que quelqu'un va toucher mon vélo. Parce qu'il suffit même qu'il bouge les sacoches, qu'il veuille ouvrir une sacoche et ça fait bouger, ça fait vibrer et ça le met en route. Ça c'est bien. On va regarder tout ça un peu plus en détail avec chaque objet vraiment qui je trouve nécessaire. Alors on va commencer avec ce fameux antivol. Je vous mettrai tous les liens en dessous, hein, si vous voulez les acheter. En plus, si vous passez directement avec mes petits codes, ça me permet de gagner une toute petite commission qui me permettra de financer un autre voyage. Je vous le dis franchement. Hein. Donc, cet antivol, indispensable. C'est pas très lourd. Je vous montre comment ça marche. Vous voyez, il suffit juste de le passer dans un câble et de fermer. On va le mettre. Hein. Voilà. Là, il est mis. Toc. Voilà, là il est mis. On va le mettre dans un rayon de vélo ou sur un câble de frein, n'importe où. Il faut que ça passe là, hein, c'est tout. Hein. Alors maintenant qu'il est en route, ce qu'on va faire, c'est que je vais bouger un peu la table. Là, il n'a pas aimé. Donc ça, si quelqu'un touche à la pochette, à votre sacoche, ça va faire d'abord ce bruit-là. Et ensuite, s'il continue, la personne malfaisante continue à fouiller dans votre sacoche ou à prendre le vélo, ça va faire comme ça. Et moi, je trouve ça génial. Ça me permettait encore une fois de dormir sereinement. Le casque. Indispensable. Maintenant, je voulais vous parler
du sac à tente. Voilà, on ouvre. Et le sac, voilà, il tient avec du velcro à l'intérieur. Et ensuite avec des petites attaches clippées, bien connues. Hein. Et c'est un sac étanche, hein, donc c'était bien pratique. Parce que la tente, une fois qu'elle était sèche, elle restait sèche même sous la pluie. Donc ça, c'est bien. Et on peut même mettre en plus quelques petits trucs à l'intérieur pour protéger de la pluie. 4 sacoches sur le vélo, ça fait beaucoup. Mais j'ai remarqué sur le premier tour, en septembre, où j'avais que 2 sacoches, il fallait toujours que j'aille chercher quelque chose tout au fond pour aller, parce que tout était entassé. Donc j'ai repris 2 sacoches à l'avant. Alors ça fait beaucoup, 4, mais l'avantage, c'est que d'abord, on n'est pas obligé de les remplir. Et ensuite, je sais exactement où tout se trouve et je ne suis pas obligé d'ouvrir une sacoche pour aller chercher les trucs au fond. Je sais que tout est à portée de main et je sais exactement où ça se trouve. Par exemple, les 2 sacoches avant qui servaient qu'à la nourriture, j'y touchais pas quand j'avais pas à manger ou si j'étais invité chez quelqu'un. La tente, pareil, hein, la tente, il m'est arrivé de dormir à la Belle Étoile, j'avais même pas besoin de détacher la tente, je la laissais accrocher. Par contre, je savais que dans la sacoche arrière gauche, j'avais tout le nécessaire de couchage, que ce soit le sac de couchage, le matelas, tout était dans la même pochette. On va parler de ça en détail aussi. Qu'est-ce que j'avais dans ma pochette outil ? Ma pochette outil qui est située ici. Voilà, je l'ai toute vidée, hein, pour vous montrer ce qu'il y avait dans ma pochette outil ici, qui est bien accrochée là sur le cadre. Ça, c'était parfait. Ça ne m'a jamais gêné. Alors dans cette pochette outil rentrait la pompe. Avec un, je sais pas comment ça s'appelle, pour mesurer la pression dans le pneu. Elle est très très bien celle-là. Je l'ouvre, je vous mettrai le lien. Hein. Voilà, et on peut pomper. Et elle a un petit système ici, très pratique, que je ne connaissais pas. Je connais pas tout, hein, peut-être que tout le monde connaît, mais pour accrocher sans que ça se dégonfle. Ça, c'est pratique. On visse d'abord celui-ci, et ensuite on visse le deuxième. Je ne connaissais pas, ça marche très bien. Et ça me permettait aussi de gonfler la trompette. J'avais le petit nécessaire vélo, des monte-pneus, toutes les petites clés adéquates pour le vélo. Mais en plus, en supplément, j'ai d'autres clés qui étaient plus facilement attrapables, différentes tailles, qui me permettaient d'éviter de... Parce que ça, c'est pas très très costaud, hein, c'était pas... Donc j'avais quand même des clés. J'ai même pris supplémentaires 2 petites clés comme ça, de 9 et de 10, notamment la 10, parce qu'avec ça, c'était pas possible, pour sortir les patins de frein. Les patins de frein s'usent, donc il fallait de temps en temps, il faut de temps en temps les sortir un petit peu. Donc ça, c'était bien pratique d'avoir cette clé-là, parce que l'autre, ça marche pas. Hein. Elle est pas très bien faite pour ça. Chatterton, très utile. Des petits bracelets différents en plastique qui ne m'ont jamais servi, mais qui auraient pu servir. Une chambre à air de rechange, parce que si jamais je crevais... Ah, à vrai dire, j'ai crevé qu'une seule fois. J'ai crevé une fois à Narbonne. Si je crève et qu'il pleut ou qu'il fait froid ou quoi, j'ai vraiment pas envie de réparer mon pneu sur la route, je mets celle-là et je répare le pneu, je répare la chambre à air un peu plus tard. De l'huile pour la chaîne, très utile, parce que de temps en temps, la chaîne était vraiment, vraiment très sèche. La petite bouteille d'huile pour la chaîne et pour la cuisine. Non, je rigole, c'est que pour la chaîne. Le nécessaire pour réparer les pneus, forcément, hein, les chambres à air, pardon. Une petite pelle, ça c'est bien ça. Ça permet d'aller aux toilettes discrètement, d'enterrer son papier, de faire ses besoins et de tout cacher. Voilà, tchac tchac, c'est solide. Hein, et aussi, en cas de risque de pluie, de faire une rigole pour éviter que la flotte vienne vers la tente, c'est-à-dire de dévier la flotte. Pour ça, il faut que le terrain soit meuble, hein, faut pas que ça soit du caillou. Hein. Mais très utile. Un couteau, forcément un petit couteau qui m'a servi à plein de choses, un multi-couteau, un multi-truc, multi-fonction, c'est très utile. Petit couteau. Des écrous supplémentaires
si jamais un des porte-bagages avait lâché, de différentes tailles. Et une petite boussole, parce que quand il fait très nuageux, ça me permettait de savoir, je vous l'ai montré sur une des vidéos, comment mettre ma tente pour qu'elle soit éclairée par le soleil le matin et que la rosée s'évapore. Qu'elle puisse sécher plus rapidement en tout cas. Voilà, donc ça c'était sur mon porte-clés. Ça, c'est la fameuse clé de pour la roue, la selle, pour les roues et la selle, avec une forme spéciale. Il n'y a que moi qui peux le démonter. Et puis ça, c'est la clé de l'antivol à l'arme et la clé du gros antivol qui est attaché sous la selle que je vous ai montré tout à l'heure. Ça aussi, je le mettais systématiquement. Après, c'est pour ça que j'étais tranquille avec l'alarme, parce que si les personnes viennent à deux, ils soulèvent le vélo et ils partent avec, hein, antivol ou pas antivol. Donc effectivement, on peut l'attacher à quelque chose, mais sinon ça se vole quand même assez facilement à vélo. L'alarme, encore une fois, j'en reviens, c'est pas très cher. Moi, je vous conseille de l'acheter, en passant par mon lien, bien sûr, tant qu'à faire. Mais c'est vraiment sécurité. Sécurité quand même, moi je trouve. Hein, pour le poids que ça pèse et le placement que ça prend, la place que ça prend, ben, c'est quand même intéressant. Oui, je sais, alors j'entends déjà les réflexions, la piscine n'est pas propre, c'est normal, j'étais pas là pendant un mois, même 5 semaines, donc elle a un petit peu verdi, et là je suis en train d'essayer de la récupérer. Ça va les réflexions. Hein. Ah, et j'allais oublier, j'ai un petit chiffon plié dans cette pochette qui me permet de m'essuyer les doigts, etc. Dès que je touche la chaîne ou dès que je touche un truc un peu gras ou plein de terre, un petit chiffon, ça ne paie pas de mine, mais ça ne prend pas de place, mais c'est bien pratique, ça permet de s'essuyer rapidement une fois qu'on a bricolé sur le vélo. Alors j'avais aussi, pour planter ma tente à chaque fois, une bâche de sol. Alors ça c'est très pratique parce que si jamais vraiment il pleut très fort ou vous voulez vous abriter, ben, il suffit juste de le déplier et le mettre sur votre tête ou sur le vélo. Ou n'importe où, et surtout c'est pratique de le mettre par terre n'importe où avant de mettre la tente. Je mets ça par terre, je mets ma tente, très important. Une fois que vous avez mis le double toit de la tente, elle est toujours souvent elle est doublée, et bien replier les bords de cette toile. Je vais vous montrer, replier les bords de cette toile pour que le pli aille à l'intérieur sous la double toiture de le double toit de votre tente, ce qui fait que s'il pleut, ça coule à l'extérieur de la bâche. Et s'il y a de l'eau qui passe en dessous, elle passe sous la bâche. Ce qui fait que l'interstice, l'espace entre votre bâche de sol et votre tente est relativement toujours sec. Vous ne baignez pas dans une baignoire de flotte à cause de la bâche. Donc n'oubliez pas de replier les bords de la bâche. Vous faites le tour de la tente et vous repliez ou vous l'enroulez pour que l'eau coule à l'extérieur de la bâche de sol. D'accord, je la déplie, je vous montre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre la tente. Hop. Et ne pas oublier quand je dormais à la Belle Étoile, je mettais par terre et ensuite je mettais mon matelas dessus. Le matelas, ça tout était propre, je pouvais mettre mes affaires sur le côté, replier même la bâche sur mes affaires pour pas que ça se voie de l'extérieur si quelqu'un passe. Donc j'étais relativement en sécurité, le matelas était protégé, il ne pouvait pas se percer. Maintenant je vais vous montrer le matelas, super. Je suis ravi de mon matelas, je vais vous montrer ça. Alors le matelas c'est très important, il est très important de bien dormir, surtout si l'on est fatigué. Donc le matelas, la première fois j'avais fait un choix sur un matelas Décathlon, je ne le cache pas, en sorte de tube jaune, et en plus j'avais économisé, je l'avais pris trop court, il devait faire 140 ou 150 de long, n'économisez pas, prenez toute votre longueur, 1m80, 1m90, prenez toute votre longueur, vous ne le regretterez pas. Là j'ai fait le choix d'un matelas qui en plus ne prend pas beaucoup de place, hein. Voilà, c'est comme ça, franchement c'est pas très gros, hein. Et je vais vous montrer comment je vais le gonfler. C'est
assez impressionnant. C'est génial. Ensuite, j'avais, très important, un petit coussin. Alors ça, c'était le coussin Décathlon, hein. Moi, j'en veux à personne, hein. Il n'y a pas de problème. Le matelas, c'était pas terrible, il glissait. Le matelas glissait. Oui, le matelas jaune de Décathlon, bah, il glissait. Il avait du mal à tenir en dessous, moi, et moi sur lui. Voilà. Alors, maintenant, j'en reviens à ce petit coussin. Coussin, petit Décathlon, ça prend pas beaucoup de place, hein. Mais super. Et en plus, il est moelleux. C'est tout mou. Là, il y a une couche exprès, toute moelleuse. Bonne nuit. J'ai presque envie de dormir là ce soir, avec mon sac de couchage, bien sûr. Alors, dans le sac de couchage, vous prenez ce que vous voulez, hein, tout dépend de la saison où vous allez vous balader. Moi, je l'ai pris, vous avez vu, j'étais obligé d'en acheter un autre à Agen, parce que celui que j'avais à 15 degrés, ça ne le faisait pas. Je l'ai donné à un SDF, mais et j'en ai pris un 5 degrés. Le problème, c'est qu'ils n'en avaient plus en plume. Maintenant, en même temps, la plume, ça prend l'humidité. Alors attention, c'est plus petit, c'est plus cher, mais ça prend l'humidité, la plume. Alors quand on est confronté, comme je l'ai été, à souvent la pluie, etc., je ne sais pas. J'étais content d'avoir le mien, qui va jusqu'à 5 degrés, mais qui est un petit peu gros quand même, voilà, 5 degrés confort, limite 0. Ouais. Le problème, c'est qu'un sac comme ça, ça prend la moitié de la sacoche. Et pourtant, il y a ce qu'il faut pour l'écraser, quoi. Donc voilà, c'était un peu... Mais bon, j'ai bien dormi, j'ai très bien dormi à chaque fois. Très important de dormir. Alors là, le klaxon, il est caché, enfin en tout cas la petite bouteille à air comprimé est cachée ici. Elle fait à peu près la taille d'une bouteille normale d'eau. Donc on peut la mettre sur n'importe quel support, hein. Il suffit juste d'adapter un support. Moi je l'ai mise complètement en dessous, elle ne m'a jamais gêné, même en descendant ou en montant les escaliers. Tiens, je remarque que ma chaîne a rouillé. Ouais. Peut-être le passage de gouas. Alors, donc, l'air comprimé est là-dedans, hein, elle est bien attachée, elle ne m'a jamais gêné, je rappelle. Ici, le petit tuyau passe, je l'ai enroulé ici, il repasse par derrière, on va fermer ça, il passe ici, et on le retrouve de ce côté, ici, voilà, on le retrouve de ce côté, accroché à la petite trompette. Et j'ai plus qu'à appuyer ici pour faire sonner. Et ça marche très bien, et même les camions entendent, hein. Croyez-moi, les camions entendent. D'ailleurs, je vous montre quelques vidéos, pas de camions, parce que j'étais sur la route quand avec les camions, mais quand les gens l'entendent, croyez-moi, ils l'entendent bien. Pardon. Attention. Bonne route. Pardon. J'entends, c'est plus bien. Plus fort, plus fort.
Hop. Pardon. Hop, pardon. À droite ! À droite ! Ils l'entendent bien. Et on peut le gonfler ici, avec une pompe, avec la pompe à vélo, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il suffit juste d'appuyer. Ça marche très très bien, très puissant. Et c'est mieux que le gling-gling. On a rapidement parlé du rétroviseur, etc., du support de téléphone, etc., mais on n'a pas parlé du guidon. Alors cette fois-ci, on ne le voit pas très bien, mais là, je me suis acheté un guidon papillon, voilà, qu'on voit bien là. L'avantage de ce guidon papillon, d'abord c'est très facile à poser. Alors le problème c'est qu'il faut, attention, il faut une potence comme ceci, parce que on va être obligé, si c'est juste une potence avec un tube à enfiler, ça ne marche pas, parce qu'il y aura ça à faire passer dedans. Donc si vous n'avez pas la potence comme ceci, où on dévisse ici pour pouvoir mettre le support, ben, il faudra changer la potence. Donc je vous mettrai le lien de tout ça. Mais l'avantage de ce guidon, d'abord, c'est qu'il suffit juste de dévisser ici et on peut le replier. Voilà, on peut le plier dans tous les sens. On peut l'adapter exactement à notre taille. C'est-à-dire que ça ici, ça tourne. Hein, il suffit juste de démonter ici, là. Et avec une clé toute bête, on démonte. On peut le faire pivoter dans tous les sens. On peut le faire pivoter comme ça. On peut le faire pivoter comme ça, vous voyez, ici ça tourne, hein, ici, là, ça tourne ici aussi, là, comme ça, vers le haut, vers le bas, et puis ici ça tourne, ici, là, on peut le faire pivoter grâce à cet axe ici, on peut faire pivoter comme ça aussi, voilà, donc là vous l'adaptez à votre taille. Moi j'ai acheté ça parce que j'en avais marre d'être couché sur mon vélo, j'avais un guidon tout simple avant, d'être couché sur mon vélo, et à force de regarder devant, j'avais mal ici, c'était terrible, j'avais mal au cou, comme ça, j'avais besoin de me mettre trois, voilà, trois, comme ça. Et bien avec ça, c'était possible, super. Là, j'ai fait un super tour, jamais j'ai eu mal au cou, et je prenais la position que je voulais, c'était pratique. À vrai dire, je l'ai réglé au départ, j'ai jamais touché. Il était très bien comme il était, je l'ai parfaitement bien réglé au départ, nickel. Donc ça, aussi, en lien, aussi, en dessous, très pratique. Alors j'avais un autre truc aussi, c'est un brumisateur. Ça paraît bête, mais ça, quand il n'y a pas grand chose. Mais quand il fait chaud, bah, c'est bien pratique. Voilà. Et puis surtout pour faire sa toilette. Parce qu'il suffit juste d'une petite lingette. Et on peut se débarbouiller avec ça en utilisant juste quoi, 250 ml d'eau. On peut se débarbouiller sous les bras, là, ouais, partout. Voilà. Moi j'ai trouvé ça très pratique. Franchement, c'est pas lourd. Voilà. Très très pratique, j'ai pas regretté. Alors encore un truc accessoire qui va vous faire sourire, c'est ça. Un petit siège, ça paraît bête, mais quand on s'arrête en vélo, eh ben on est toujours assis par terre ou on cherche un endroit pour s'asseoir, tout le temps. Je ne sais pas si vous avez fait du vélo, mais vous allez voir, c'est tout le temps comme ça. Avec un avion. Donc, moi, j'avais mon petit tabouret. Et franchement, même quand je faisais une pause pour manger un sandwich ou quoi, il était juste à la surface de la sacoche. J'ouvrais la sacoche, je sortais mon petit siège. Ah, tout le monde était surpris, hein, mais j'avais mon petit siège et je n'avais pas à m'asseoir sur un caillou inconfortable ou n'importe où. J'avais mon petit siège. Dans le camping, pareil, pour faire ma petite popote, ma petite cuisine, ben, j'avais mon petit siège. Voilà, c'est pas lourd, franchement c'est vraiment pas lourd, ça prend pas beaucoup de place, hein. Vous avez vu la pochette au début, c'est facile à plier, voilà. En lumière, qu'est-ce que j'avais? Eh bien, j'avais cette petite lampe là, très utile, hein, que je mettais en feu rouge, on peut la mettre en rouge, en blanc, qui clignote, qui clignote pas, voilà, ça c'était, j'accrochais derrière ça. À vrai dire, je roulais pas souvent la nuit, j'ai roulé quand je suis rentré d'Avignon. Ensuite j'avais ma frontale, et je roulais avec ma frontale. Mais je vous dis, c'est pas, rouler la nuit, après si vous voulez vraiment rouler la nuit, ben faut être équipé quoi, faut être équipé avec peut-être des lampes sûrement beaucoup plus puissantes que la frontale. Alors, un autre accessoire qui m'a bien servi, c'est ce petit sac. C'est un sac étanche. Et
qui prend pas beaucoup de place, hein, franchement. L'avantage de ce petit sac, c'est qu'on peut s'en servir pour mettre des choses qu'on veut protéger de la pluie. On peut s'en servir pour n'importe quoi, mais surtout, on peut s'en servir d'étanchéité, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut mettre de l'eau dedans, mettre le linge à l'intérieur, un peu de lessive. On ferme légèrement et on lave le linge. Et on peut, sous un robinet, rincer le linge. Pareil, on presse tout, on fait sortir l'eau, on met de l'eau propre, on fait sortir l'eau. Votre linge, il est propre, il n'y a plus qu'à le faire sécher. Voilà, je m'en suis servi pour faire ma lessive. Petit sac, très pratique. Petit sac à linge, on va appeler ça. Sac à lessive, on va appeler ça comme ça. Alors maintenant, on va passer en revue tout ce que j'ai amené comme vêtements avec moi. D'abord, j'avais des chaussures au début pas terribles, et ensuite j'ai pris des chaussures, tout simplement des chaussures de randonnée, parce que moi j'ai pas d'attache sur les pédales, et finalement j'étais très content de mes chaussures de randonnée par la suite. Chaussures de randonnée toutes bêtes, hein, que j'ai achetées chez Decathlon. Des tongs les plus légères possibles et les plus simples possibles. Parce que le soir, la première chose qu'on a envie de faire, c'est retirer ses chaussures et d'aérer ses pieds. Et si jamais vous êtes dans un camping ou dans une rivière, ou si vous voulez marcher, bah, c'est quand même plus pratique de marcher en tongs, même dans l'herbe. Hein. C'est quand même plus pratique de marcher en tongs pour aller prendre sa douche, plutôt que d'y aller pieds nus. On ne sait pas qui est passé avant. Très important, les douches. Dans un sac plastique, ça ne prend pas de place. Voilà. Maintenant, les vêtements. Alors, les vêtements. Les vêtements, qu'est-ce que j'avais? J'avais une chemise, mais une chemise avec un tissu spécial, ça sèche très très vite. Même à la limite, ça m'est déjà arrivé de la laver et de la remettre tout de suite sur moi et sécher sur moi. Un petit gilet, surtout à manche courte, hein, tout ça. Un petit gilet pour qui sèche vite aussi, voyage. Un petit t-shirt, pareil, voyage, mais j'aurais pas dû le prendre noir parce que noir ça chauffe. J'aimerais bien qu'il soit gris, mais bon. En ce moment, je sais pas pourquoi, il met toujours des couleurs pourries de banane. Donc le petit gilet. J'avais un pantalon. Vous savez, les pantalons qu'on trouve chez Decathlon, c'est pas très cher. Les fameux pantalons qu'on peut... voilà. Avec la fermeture éclair qui permet de faire short. Alors ça, j'en avais deux. D'accord, deux. À la limite, peut-être pas forcément deux pantalons, mais au moins un short et un pantalon comme ça. Ça, c'est bien pratique. Ça, j'aime bien. C'est bien. Dès qu'il fait un peu chaud, on enlève le bas. Hop. J'avais une polaire assez légère. Polaire. Un imperméable, que j'ai acheté aussi chez Decathlon. Imperméable. Attention, imperméable. Prenez la taille au-dessus. Parce que si jamais vous avez, il faut l'enfiler rapidement, vous n'avez pas envie de vous déshabiller avant ou quoi, ben le prenez pas collant. Il faut vraiment que ça soit, prenez une taille au-dessus. Franchement, moi, il est trop serré, trop court. J'avais quatre paires de chaussettes, quatre slips ici et des sous-vêtements mérino, le bas. Jusque toute la longueur et le haut en mérino parce que j'avais peur d'avoir froid et finalement j'ai presque dormi toutes les nuits avec. Et des fois le sac de couchage m'en servait comme d'une couverture, quoi. Je dormais vraiment à nu. Par contre, ne pas oublier le sac à viande. Le sac à viande pour garder le sac de couchage propre. Si jamais vous voulez laver, vous lavez que le sac à viande, c'est parfait. Et parce que vous n'êtes pas toujours très très propre. Vous n'allez pas prendre de douche tous les jours. D'accord. Donc, sac à viande, c'est important. Un maillot de bain. Vous n'êtes pas obligé de le prendre en short. Hein. Vous pouvez aussi le prendre en extra court. Hein. Le truc qui moule bien. Mon cuissard. Alors maintenant, je vais vous montrer. Vous avez vu. Ah oui, il y a encore une chose. Ça. J'avais pris ça. Pourquoi j'ai acheté ça? Et il est un petit peu plus sophistiqué que les autres. Parce que, premièrement, ce n'est pas des petits velcros qui ne tiennent pas beaucoup. C'est une fermeture éclair. Et en plus, il y a des poches. Et ça, je trouve ça très pratique. Voilà, des poches. Et là, on peut mettre aussi son groupe sanguin, son identité, son groupe sanguin, c'est important. Et voilà, il a surtout des poches. Voilà pourquoi j'ai pris celui-ci. Et puis le jaune banane, je commence à en avoir un petit peu marre. Mais ils le font aussi en jaune banane, si vous voulez. Mais je ne l'ai pas utilisé parce qu'il n'a pas fait très chaud. Mais si j'avais vraiment, il avait fait chaud, j'aurais mis ça et j'aurais enlevé le reste, quoi.
Voilà, le premier tour en septembre, je n'ai vogué qu'avec ce gilet-là, qui était vert en l'occurrence, enfin vert jaune. Je vais quand même le remettre dans le sac pour vous montrer la place que ça prend tout ça. Donc, je vais mettre de côté le cuissard. Je vais mettre de côté un slip. Je vais mettre de côté la polaire, parce que la polaire elle est toujours sortie et à la limite, je la mettais quand je l'enlevais dans le sac étanche qui était posé sur le porte-bagages. Donc ça, je l'enlève. Ça, c'est... On va faire comme si... Je ne vous ai pas montré l'autre short, mais on va faire comme si on mettait le short de côté. On va enlever l'impair aussi, qui était... Par contre, lui, je le roulais, à vrai dire, et je le mettais dans les sacoches de nourriture. C'était assorti. Et donc, je savais qu'il était toujours là. Donc ça, je l'enlève aussi. Les gants. Ah oui, j'avais des petits gants. Au début, je les mettais, puis après je ne les mettais plus. Parce que c'est pénible à enlever. Je sais pas pourquoi. Ils auraient dû mettre une fermeture éclair. Je sais pas comment faire, mais en tout cas, c'est pas très pratique à enlever. C'est facile à mettre, mais pas facile à enlever. Donc, je les mettais au début. Après, je vous avoue, franchement, je les mettais plus. Donc, ça, on va les enlever. Parce que normalement, ils sont dans ma petite pochette sur le guidon. J'enlève une paire de chaussettes, parce que forcément, il faudra que je porte une paire de chaussettes. Et donc, tout le reste, je vais vous montrer la place que ça prend dans une de mes sacoches. Parce que je vais les mettre dans un sac exprès, pareil que j'ai acheté, il y a plusieurs tailles, hein, chez Decathlon, c'est très simple. On peut le compresser, pas avec l'air, mais avec les sangles. Donc je vais vous montrer, je vais tout faire rentrer dedans, et je vais vous montrer la place que ça prend, tout ça. Et je vais mettre aussi un t-shirt, parce que quand même, je vais pas rester torse nu. Donc tout ça, je l'enlève, et je vais faire rentrer tout le reste dans le petit sac. Voilà, j'ai tout rangé, tout range là-dedans. Avec les choses que j'ai mis de côté pour m'habiller qui sont ici. Oui, j'ai oublié de parler de la petite lingette qui permet de me nettoyer et de tout nettoyer. Dès que je peux, je la lave toujours. Mais voilà, tout rentre là-dedans. Tout est là. Il y a le pantalon, les deux autres t-shirts, les slips, les mérinos, les chaussettes. Il y a tout, et le petit gilet rouge avec les bandes fluorescentes. Il y a tout dedans. Tout est là. Et mon maillot de bain, on l'aperçoit. Il y a tout. Alors, ne pas oublier non plus la bombe anti-moustique. Celle-là ou une autre, hein, peu importe, mais la bombe anti-moustique parce que de temps en temps, ça peut servir. Ensuite, il y avait deux accus, deux gros accus. Parce qu'effectivement, pour vous transmettre des vidéos tous les soirs, il fallait que je charge mon téléphone tous les jours, le téléphone, la GoPro, etc. Donc avec deux accus, j'arrivais à tenir 4-5 jours, facile, en rechargeant plusieurs fois le téléphone par jour. Ça marche bien les accus comme ça, ça c'est pratique. Enfin, celui-ci, il était assez puissant. Et en plus, on voit très bien la consommation. Ça s'allume et on voit en pourcentage ce qui reste. Donc je vous mettrai le lien, mais ça c'est vraiment bien. Bon, forcément, c'est un petit peu lourd, mais c'est indispensable. J'avais aussi, quand je m'arrêtais, vers 6h30, il y avait encore le soleil pour au moins 2h, j'avais aussi le panneau solaire. Voilà, ça je l'avais au Népal, hein. C'est parce qu'au Népal, il n'y a pas l'électricité comme ici, il n'y a pas de camping non plus. Donc l'avantage de ce panneau solaire, c'est que ça me permettait, le soir quand je m'arrêtais, en 2h, voilà, de recharger... les batteries de la GoPro ou la batterie de la GoPro sans problème. Et en général, je chargeais la montre en priorité, les batteries de la GoPro et le téléphone. S'il restait un petit peu de soleil, je mettais mon téléphone. Mais sinon, je chargeais mon téléphone avec les accus. Pour lire, mais à cause de vous, j'ai jamais eu le temps de lire parce que je faisais les vidéos tous les soirs. Mais j'avais ma petite tablette de lecture. Ça, c'est bien. Il y a beaucoup de livres dedans. Voilà, mais j'ai jamais eu le temps. Donc je faisais des vidéos jusqu'à minuit, des fois à minuit et demi même. Un petit sac avec tous les raccords chargeurs, etc. Et quelque chose d'indispensable quand vous êtes chez quelqu'un et que vous voulez brancher tout d'un coup, c'est vraiment très bien. Je vous mettrai le lien aussi, c'est un hub, un petit hub USB. Voilà, il y a 4 prises, c'est-à-dire je branche celle-là dans la prise principale. Et je peux brancher tout mon matériel et tout chargement en même temps. J'ai pas besoin d'aller vérifier si c'est chargé pour pouvoir. Voilà, c'est bien pratique. C'est pas gros, hein, ça prend pas beaucoup de place, mais c'est bien pratique. Indispensable.
On va revenir à la selle. La selle, donc, c'est une Brooks. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent hein, la Brooks, hein, parce qu'il y avait même des vélos auteux qui disaient « Ah, vous avez une belle selle !» Ils repéraient. Donc, comme je vous ai dit, premier voyage, j'ai souffert le martyr, mais vraiment le martyr. Et donc j'ai regardé un petit peu sur les réseaux. Il y avait la Brooks en cuir, où la selle se fait à vos fesses, ou l'inverse, je ne sais pas. Et puis les selles sophistiquées avec des espaces au milieu, avec du gel, enfin bon, des trucs bien, bien sophistiqués aussi. Et moi j'ai opté pour ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai préféré prendre ça. Le truc original, la selle de cheval, la selle en cuir. Et honnêtement, au bout de 3 jours, j'avais plus mal au derrière. Est-ce que c'est la selle? Est-ce que, je ne sais pas. Alors peut-être ça dépend aussi des fessiers, hein, je ne sais pas. En tout cas, donc moi j'ai pris celle-là avec les ressorts. Elle existe aussi sans ressort. Et effectivement, quand il y avait des graviers et quand le terrain n'était pas bon, j'entendais. Donc ça veut dire que ça marchait et ça amortissait. Maintenant on peut la prendre aussi sans les ressorts. Hein, ça coûte 20 euros de moins. Voilà, je vous mets le lien. Moi j'en suis ravi, c'est la selle classique Brooks, ils en ont sorti d'autres un peu plus sophistiquées, avec une fente aussi au milieu. Moi j'ai jamais été gêné au milieu à vrai dire. Donc, bon, elle se règle comme toutes les autres, hein, plus en avant, plus en arrière, on peut la mettre horizontale, la pencher vers l'avant, vers l'arrière, voilà, c'est très simple. Alors, j'avais aussi ça que j'ai acheté au dernier moment. C'est un camel pack, c'est ça qu'on dit. À l'intérieur, nous avons sa gourde. Bon là, je l'ai séché et rangé. Hein. Mais on peut la remplir d'eau, 2 litres. On branche le tuyau et on peut pomper par devant. Voilà. Bon, le petit inconvénient, c'est que l'eau chauffe. Dans le dos, elle chauffe, surtout avec le soleil. Donc je m'en servais souvent pour la cuisine, mais quand j'avais soif, je la buvais quand même. Même chaude, c'est quand même de l'eau. Voilà. C'est sûr qu'en vélo, on n'a pas trop souvent de l'eau fraîche, à moins de s'arrêter chez les gens et leur en demander. Ça marche. Voilà, donc il y a une autre pochette ici, et puis il y a des pochettes devant. Elles m'ont bien servi ces pochettes, parce que voilà, le tuyau arrive par là, et on peut la fermer. Donc ça, je l'ai porté tout le temps, hein. D'abord parce qu'il y a les bandes fluorescentes, parce que, et puis là j'avais mon porte-monnaie, ici, dans cette pochette, donc j'avais toujours mon porte-monnaie et ma carte bleue à portée de main. Ici j'avais, bah tiens, il y a encore, j'avais le stick pour les lèvres, parce que en plein soleil ça craquait. Ici j'avais les clés, la lampe frontale et la lampe de vélo, la petite lampe de vélo pour mettre à l'arrière qui clignote rouge et blanche que vous avez vu. Et là, il y a encore, j'avais un masque. Voilà. Parce qu'à l'époque, il fallait mettre le masque partout. Donc j'avais tout à portée de la main et la flotte pour pomper. Et ça me faisait 2 litres en plus. Donc je me promenais avec à peu près deux. J'avais deux. À vrai dire, j'ai 3 gourdes. J'en avais une de secours qui était toujours vide dans le sac orange. Et j'en avais deux comme ça. Deux comme ça qui me servaient à tout. Et dans le support, en plus. Dans le support, j'avais une bouteille de coca d'un litre, parce que je me suis rendu compte que la bouteille de coca d'un litre est rentrée parfaitement, alors que ces bouteilles-là, elles font 500 cm3. Donc ça me permettait d'avoir 2 fois plus d'eau dans le même support. Et les deux autres canettes, je les attachais derrière avec l'étendeur. Donc ça me faisait 2 litres, 4 litres, et puis la petite bouteille de secours, j'avais toujours 4 litres d'eau. Voilà.
Et franchement, quand on s'arrête le soir avec la toilette, éventuellement quand je vais faire mes besoins et que je me lave, et ben on consomme beaucoup d'eau. Et puis la nuit, on boit aussi. Il faut de l'eau, beaucoup d'eau. Donc ça, c'est bien parce que 2 litres d'eau derrière, juste avant, je passais dans un cimetière et je faisais le plein. Comme on voit sur les vidéos, vers 16h, 16h30, je faisais mon plein de flotte derrière. Voilà. Alors j'avais aussi une petite trousse de toilette. Voilà, là-dedans, il y a tout. Il y a le savon, il y avait le savon dans une boîte, je crois un savon, un savon d'Alep. Ça, c'est sur les conseils de ma fille. Alors, l'avantage du savon d'Alep, c'est qu'on peut faire aussi la vaisselle avec. Pour les cheveux, c'est pas terrible. Mais par contre, on peut tout laver, le linge, soi-même, et ça ne pollue pas. C'est-à-dire que vous pouvez aussi vous laver dans une rivière. Le savon d'Alep ne va pas polluer la rivière. C'est important, ça. Et puis, j'avais aussi une brosse à dents dont j'avais coupé le manche, parce que sinon, ça ne rentrait pas. Voilà, dentifrice, qu'est-ce que j'ai ? Un peigne, enfin, même si je n'étais pas souvent peigné. Voilà, petite trousse de toilette. Voilà, j'ai fait un petit peu l'inventaire de tout ce que j'avais pris avec moi, tout ce qui m'avait vraiment servi. Le poids du vélo, ben, avec tout le matériel, je l'ai dit au début, hein, on arrivait à peu près 40 kg de matériel, ce qui est relativement beaucoup, hein, mais bon, avec ça, je pense que je peux aller très 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 loin. Alors, il me manquerait plus que si c'est vraiment la saison où il fait frais, de prendre une parka un peu plus grosse que je pourrais mettre dans le sac orange qui était presque vide tout le temps. Enfin, il n'était pas presque vide, il était vide pratiquement tout le temps. Et voilà, et si vous achetez tout ce que je vous ai dit par les liens qui sont en dessous, eh bien, vous ne les paierez pas plus cher. Simplement, moi, je ramasserai 2-3% de commission, voilà, qui me permettra de financer un prochain voyage. Merci à tous. À très bientôt et bonne tournée, bonne balade en vélo.